Depuis plusieurs jours, c'est l'endroit où il faut être. Les journées de visite d'avant-vente des roulottes du Berry ont commencé depuis le début de la semaine et elles déplacent les foules, près de 500 personnes par jour. On est quand même assez étonné de l'engouement sérieux des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des curieux. Il y a plein de gens qui ont des projets. Et ils viennent effectivement avec des documents, ils font des cotations, ils émettent des avis sur un certain nombre de roulottes qu'ils ont déjà pré-repérées, ils font beaucoup de photos, ils demandent des conseils à des menuisiers. Enfin voilà, c'est très organisé visiblement. Elles sont examinées de fond en comble, rien n'est laissé au hasard, les mesures sont prises. Dis-moi. On va dire... 91. Ah ben voilà, c'est ça. Ouais. Petit à petit, le projet avance. Acheter, c'est une chose, mais après, il faut le transport. Il faut pouvoir les monter sur le camion, les descendre, les mettre là où on veut. Donc voilà, il faut penser à tout. On va faire du travail dessus, en fait. Ouais, le principe, c'est vraiment de se l'approprier, d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Et déjà, la magie du Berry joue, on se prend à rêver, des souvenirs d'enfance reviennent. C'est un petit peu une histoire d'enfance, un petit peu romantique, un petit peu charmante dans le jardin, d'avoir une petite roulotte pour les enfants. C'est quelque chose de désuet et charmant. C'est votre côté bohème ? Ah, c'est le côté bohème, c'est sûr. Amateurs comme professionnels sont nombreux à vouloir faire affaire. Chaque roulotte est numérotée. Il faut choisir les bons numéros avec des mises à prix entre 3 000 et 7 500 euros. Le ticket gagnant est dans toutes les têtes. C'est ça, il y en a qui vont être éliminés, il y en a qui vont être au cas où, il y en a qui vont être... si ça monte pas trop, c'est bon, si ça monte trop, c'est plus bon. La vente démarrera le 25 janvier pour se terminer le 8 février sur le site internet AgroAstore. Les roulottes sont réparties en 3 catégories et le montant de la vente participera directement au budget du département du Cher.